Eh bien bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvelle vidéo de Port of Iron en compagnie de Krago sur l'Angleterre. Regardez-moi ça, la Oui. Regardez comment les Anglais envahissent l'Indonésie. Oui, c'est vrai que ça par contre ça avance, c'est cool. Ouais, au moins quelque part on gagne, quoi. T'as récupéré un tas de caoutchouc, un tas de pétrole. Exactement! Mais ça, le pétrole, je l'ai développé dans le au Qatar et en Abu Dhabi. Abu Dhabi. Abu Dhabi. Un texan qui dit Abu Dhabi, c'est trop marrant. Abu Dhabi. Ça n'a Parce que aucun je disais sens. quibble quoi. Ça n'a aucun sens. Bon, bah nous toujours en Allemagne, parce que nous on est puissance continentale et pas puissance coloniale. Bon, on peut quand même. On n'avance pas. La merde. Paris qui va. Nos J'avais alliés pour là projet qui. de faire des centrales nucléaires dans mes colonies, mais je peux pas. Je peux vous doter de l'arme nucléaire, mes colonies, c'est quand même bête. Nouvelle-Zélande qui a l'arme atomique. Ouais! Ouais! Mais eux, ils ont pas de pétrole, contrairement à tous les autres. Non, effectivement. Je vais passer par contre en mobilisation générale parce que la manpower ça va plus du tout. Moi, je suis passé en mobilisation générale. Enfin, mobilisation générale depuis déjà un moment. Ce qui fait que j'ai L'Allemand il est 1 100 000 comment? manpower, j'ai oublié de lancer le chrono. Ah oui, service de tous les adultes l'Allemagne. Hein? Service de tous les adultes elle est l'Allemagne. Ah, ça y est, elle est vraiment dans la merde là. Mais elle s'est Ouais fait là. laisser prendre par derrière par l'Union soviétique. Mais après, c'est parce que t'as coulé sa flotte. Oui, un petit peu. Mais elle se concentre sur moi. Pourquoi elle se concentre sur moi? Genre, t'as pas Parce que plus. tu es un joueur. Mais t'as pas genre plus peur du communisme que de moi. Moi, je suis une simple démocratie, je t'annexerai jamais complètement. L'Italie qui est en fond de tiroir. Oui, bon, ça, c'est l'italien. En même temps, l'Italie, il doit en sortir l'unité, hein, c'est N'importe con. quoi. Ah, il faut me dire. L'Union soviétique, il doit être aussi un peu dans la merde. Ah, il est en Non, mobilisation il est juste générale. en mobilisation générale comme nous. Ça commence, mais pas trop, tu vois. Bah, c'est un peu Ouais, la ils sont. merde, mais sans être trop la merde. C'est Après, ça. l'Union soviétique, la mobilisation générale, et puis il doit avoir 500 millions de manpower. Pareil, en Chine, tous les adultes doivent servir. Mes colonies, c'est que des volontaires ou des services courts. C'est vraiment vu qu'ils sont pas dans la guerre. Et ça va faire. POUAM! Et hop là, réseau d'espionnage en Allemagne, il est dingue. Je suis en train de percer le mur Wellkrieg. Le mur Wellkrieg. L'Australie qui me demande, tu peux me rétrocéder la Malaisie britannique, s'il te plaît? Je suis en mode Ah, ça non. c'est un de ses focus. Ça. Bon, il est à chier. Du coup, tu vas remonter les Philippines et tout. Ça serait trop marrant qu'on fasse Bah là, capituler la France. c'est du saut-deal. Après, t'as les Américains en train de s'occuper des Philippines. Moi, je m'occupe des Indes néerlandaises. Ça serait trop marrant qu'on fasse capituler le Japon avant l'Allemagne. Quand même comique. Faut vraiment dire qu'on n'est pas doué. Bah si, ça veut dire qu'on avance mieux dans un front que l'autre. Ça et j'ai 10 notifications pour une promotion d'Anas. Ça va, je suis en contrôle des airs quand même. ils C'est vont arrêter la agréable. base. Ils sont pas ravitaillés ici. Pourquoi ça devrait être bon?
Oui, mais tu peux pas attaquer au devant. Allô? Je sais pas où attaquer avec mes tanks. C'est une zone de ravitaillement. J'ai trouvé un endroit. Ça marche. Ah, je sais ce que c'est qu'un moteur à réaction. Bizarre comment faire des avions avec. Moi j'ai découvert les réacteurs à réaction, mais j'ai pas encore fait d'avion avec. Je me t'importe pour combien d'usines civiles? Vraiment, c'est. C'est colossal le commerce. Je te donne 17 usines civiles. Qu'est-ce que t'importes de chez moi? J'ai un porte de toi. Merde. Ah mais je peux peut-être essayer d'importer des trucs par contre. Parce que ouais, j'ai du coup pas mal de caoutchouc. Ouais, c'est genre de production en 189. Du chrome. Du tungstène. Puis les tanks, le tungstène, non. Ah, je fais de l'anti-aérien en Afrique du Sud pour baisser encore sa truc. L'Afrique du Sud, c'est juste une immense forteresse et il aura tous les bonus de terrain. Voilà, maintenant je t'en ai pas n'importe quoi. Ah, ça sert à rien. Ah non, on va pas faire ça. On va faire ça, ça sera dur. Ah. On va faire ça, ça serait bien qu'on arrive à réellement décrypter les codes. La chute de Tokyo. Chute de Tokyo. Enfin, voilà, on aura fait capituler le Japon. Bien avant. La chute de Tokyo, quoi. Bon, est-ce que je peux tenter de faire quelque chose, genre ça, par exemple? Pareil. Et bah voilà. Ah voilà, quand ça veut, ça tombe. On va faire la même chose ici. Tiens. L'Italie a déchiffré notre code. Ouais, c'est une formalité. Ça. Et voilà. J'ai une bombe atomique, mais j'ai pas de bombardier. Moi j'ai des bombes atomiques et je viens de les balancer. Ah, tu les as balancées où? Tu les as balancées à Cologne et à Strasbourg. Oh. Oh non, je suis obligé de bombarder ces zones parce que pourquoi pas. C'est Francfort. Non, t'as un message quand on a une bombe atomique sur une grande ville, là pour la première fois. Je pense qu'elle a déjà été envoyée quelque part et on n'a pas lu le. On est mal informé. Ouais. Après, on est quand même concentré sur nos guerres. C'est vrai, c'est vrai. Le bombardier tactique, stratégique, pardon, de niveau 3, et après je ferai celui à réaction. Pour relancer une bombe où je veux. Complètement de porter ce truc. La coque de cuirassé est super lourd. Alors, vu mes problèmes d'acier, je vais peut-être pas en faire. Ça demande quoi? Oh. Ah, ça coûte pas plus. Ah, je peux restreindre l'indépendance de l'Afrique du Sud. Voilà, fantoche. On touche fantoche ou fantoche intégré, mais il faut qu'il soit définitivement en tant que fantoche intégré. Tous en fantoche intégré. Et je me donne beaucoup de mal. Vas-y, fais-la tomber cette ville. Enfin, si on fait deux phrases nucléaires sur le Japon, il capitule, tiens, c'est intéressant, même truc. Oui, normalement, oui. Oh, l'Allemagne, là, je viens de faire. Je lui ai balancé trois bombes à la gueule. Mais je suis pas ravitaillé. Mais je sais que je suis pas ravitaillé. Bon, ça marchera pas, Francfort.
Non, on continue pas l'attaque. Arrêtez vos conneries. Oui, nous n'avons pas de banane. On n'a pas de banane. On va laisser l'américain se démerder là. Bon, bah, j'ai bien avancé en Allemagne. Oui, félicitations, t'avances bien. Après 3-4 frappes nucléaires. Ça aide. Ça aide. J'ai tout plein d'espions, comment ça s'appelle? Espions allemands. Voilà, des canons, un bombardier tactique. Ah, je vais tout passer en réaction après. J'ai tout l'XP qu'il faut pour. Ah bah oui, il tente une offensive générale parce que j'ai désorganisé les troupes américaines. Continue l'attaque. Essayer d'attaquer sur tous les fronts, c'est vraiment genre la merde en Allemagne. C'est pas encore le fond de tiroir. Ils sont retardés. Interdire le fascisme. Traité de Bruxelles. En paix. On va avoir soit des ratifiés de traité, soit quitte les alliés. Je vais améliorer ton infrastructure au Laos et Infernal. Après, je dois bien avouer que le Laos, je ne sais pas spécialement. Un Laos. Tonkin plutôt. Tiens, des Baléares à l'Italie, incroyable. Baléares ? Ouais, les Baléares. Et bah, tu sais ce qui va se passer. Oh, il y a des Anglais maintenant. C'est ça. Hop là, les petites baleines à moi. Tac, et vous, je vais plutôt vous envoyer. Vous avez fait un débarquement d'ici. Ah là. Oui, c'est la guerre, j'ai pas le... Ça n'a rien à foutre. Je vais relancer mon chrono. Tu fais des vidéos, c'est ça, tu t'inquiètes plus de ton chrono que de ce jeu entier. Continue d'avancer. Et je mets un gars aux F. Continue d'avancer. On va pas redéfendre ça. Ça, c'est de la ville. Ça, c'est de la forêt. Ça c'est de la plaine, mais on traverse une rivière. Est-ce que ça passerait pas quand même? Genre si on force, La pénalité de terrain, elle est puissante ou elle est pas puissante? Elle est trop grande. Il y a l'Union soviétique, en fait, il va faire capituler l'Allemagne à notre place. Pourtant, c'est nous qui avons fait tous les dégâts du monde. Tout à fait, c'est injuste. Mais tant pis, on s'attaquera à l'Union soviétique après. De toute façon, tu veux faire un empire continental, moi je veux un empire outre-mer. M'attaquer à l'Union soviétique. Tu mangerais toute l'Union soviétique. Moi, je sais même pas ce que je mangerais du coup dans le traité de paix, à part les colonies. Mais c'est trop du cul, ils ont pas de colonie, pardon. Je sais pas, tu couvres la Pologne, puis c'est tout.
On fout la Norvège. La Norvège. Voilà. Norvège. Bien, faut déjà que tu débarques. Il faut déjà que j'y arrive. On a coulé un... Mais je lance le débarquement. Tout ça. Ouais, c'est que des forts de niveau 2, c'est le débarquement s'étend de Stavanger à Kristiansand. Ça me dit pas où. C'est en Norvège. Hein. Ah oui, je vois les 24 unités qui viennent de partir. Est-ce que tu pourrais te mettre en soutien à l'invasion navale, s'il te plaît, merci. Mais il y a tout qui est cassé, mais vraiment, genre tout. J'ai cassé Francfort. Normalement, il est pas ravitaillé avec Francfort de cassé. Écoute, vous allez là. Et lancer. Attaquer, attaquer, attaquer. Je vais améliorer le port tant que j'y suis. Peut-être pas 10 niveaux, mais au moins d'un ou deux. On reteste. Un débarquement réussi à Mainz, ça libère la Norvège. Zut. Je prendrai le Hanovre. Je prendrai le Hanovre. Moi, ça fait chier pour l'Union Européenne. Comme ça devrait fondre, comme moi je l'entends que ça devrait fondre. Enfin, que je tente d'aller jusqu'à Francfort, mais non, ça fait chier de pousser jusqu'à Francfort. Elle est trop chiante cette quête. Il est aux portes de Berlin, l'autre con, putain. Mais regarde, devant l'Union soviétique, il y a genre 2-3 unités par case, quoi. Ouais, alors que nous, il y a toute l'armée. Alors que nous, il y a tout. Il y a tout. J'ai que 35% de score de guerre. Ce qui me sidère. Ça me sidère. C'est quoi ça? Ardennes Milite. Ils envoient la police. En train de faire toute la recherche à la con, un petit peu. Ah oui, ça, j'ai pas. J'aimerais que tu fasses de l'aide au débarquement là-bas. Si tu peux te relocaliser à Alger, ce serait bien. Ah, c'est bon. Oui, vas-y, continue. On va essayer d'avancer comme un bourrin jusqu'à Francfort parce que c'est du terrain plat. Mais je pourrais pas, il y a le Rhin. Oh, il est vraiment aux portes de Berlin. C'est de la fumisterie. Hein.
Mystery premier. Non. La chute de Berlin. Oh, et puis il y a Vlak et l'autre qui discutent. Il y en a hors de question. Laisse faire la papote s'il en a envie. Staline qui discute. J'en ai rien à foutre de ce qu'il raconte. Non, mais la langue russe, je trouve que c'est une des pires à écouter. Oh. Mais avant, il y a l'arabe. On doit le dire pas. Le Saint-Hervis, ça passe avant. Mais il est plus du tout ravitaillé. Du coup, j'ai juste avancé. Les unités, ça va s'effondrer. Du coup, c'est Himmler. Non, c'est toujours Hitler. Oh, ça me fait trop chier. Bah, il a des bicyclettes. Hein. Même la capitale. Il y a Tokyo qui est tombé. La capitale. En somme. Je crois que la vraie capitale du Japon, c'est Kyoto. Ça. J'ai des montagnards dans les plaines en face de chez moi. Putain, Berlin qui est tombé. Bah oui, l'Allemand a perdu beaucoup de. Ouais. Il y a intérêt que j'arrive à annexer tout ce que j'ai envie d'annexer. Oh non! Merci, oh bah, putain! Bon, rien que récupérer l'Italie non plus. Je pourrais pas récupérer l'Italie. C'est ton peuple. Oh, je vais péter un plomb! On voit que le jeu est quand même relativement scénarisé. Ça se voit à peine. Et du coup, si on peut pète. Mais non! Ah oui, c'était peut-être à moi. Qu'y a-t-il? Winston Churchill, Staline et plusieurs dirigeants d'autres pays impliqués dans le conflit se sont rencontrés et décidé du sort du Reich allemand. Plusieurs jours de négociations ont permis de dresser une carte des continents. L'Europe nouvellement sera désormais départagée en zones. En une zone orientale et une zone occidentale. Dans la limite, passera au cœur même du territoire du Reich allemand. À la conférence de Yalta. Mais je peux pas envoyer chier comme ça l'Union soviétique. Quoi. Putain, ça veut dire que de Stettin jusqu'à à Trieste, on n'aura rien. Mais à la différence près que du monde réel, que là, cette fois-ci, la France n'a pas capitulé. Oui. Putain, moi, je vais rien gagner dans cette guerre. Oh! Terrible! Oh, j'ai intérêt à bouffer une bonne partie du Japon, hein, j'en ai. Ah, les Balkans, pareil, hein, j'en mange. Mais regarde comme il est en train d'évacuer le front! Ah oui, il est en train de partir en morceau le front. Fantoche, Australie. Bah, attendez, charge générale histoire de faire des points. Complètement inutile, mais me faire tuer des armes, visiblement, fait augmenter la. La bataille elle est gagnée. Attention. C'est tellement désorganisé. Ça. Le truc qui meurt en plein milieu du pays. Non mais 21 unités, 22 unités, non mais pitié. Qu'ils en profitent pour déchiffrer mes codes. Ça tombe bien, je suis pas à votre frontière. Ah si.
Non, mais toi, t'es en. Toi, t'es en Espagne. Les Espagnols ne sont pas déclarés la guerre, d'habitude, ils le font quand la guerre tourne. Non, mais toi, tu. Et là, ils l'ont pas fait, tant mieux pour eux. Attention. Bien, je vais faire un petit débarquement. Allez, de Alexandrie à Athènes. Allez, on met tous au même commandement. Attention. Bon, bah ça va être la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à partager, à commenter. À commenter, à partager, à mettre un petit pouce en l'air, anglais communauté pour les sons Discord, il se passe des choses. En vrai, pas énorme, mais suffisamment pour qu'il se passe des choses. Ah si! Oh, va falloir que tu re-télécharges 6. Mon merde, oh non, flemme, qu'est-ce que. Moi, j'en ai marre de Sif6, je veux plus en entendre parler de Sif6. Bah, t'en étais pas beaucoup joué. T'as fait ma super vidéo que j'ai fait avec Gersta et tout là? C'est trop fier. Pas et tout, Gustin. Oh! Allez,